Mandishka à Charite-de-Bas est une installation de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Mise en service en 2014 pour traiter jusqu'à 20 000 tonnes d'ordures ménagères par an. Sur le site de Mandishka, nous sommes 7 agents à travailler du lundi au vendredi. Il y a une personne au service administratif, 2 conducteurs d'engins dans l'unité de valorisation organique, 1 conducteur d'engins de compacteur au centre d'enfouissement, 1 agent de maintenance et 1 agent de nettoyage pour tout ce qui est entretien dans l'usine et moi en tant que responsable de site. Le site de Mandishka est scindé en 2 grandes unités. L'unité de valorisation organique pour traiter tout ce qui est ordures ménagères et le centre d'enfouissement qui va traiter tout ce qui est encombrant des déchetteries et déchets non valorisables, non recyclables. Les déchets arrivent à Mandishka et doivent passer sur un pont bascule. Sur ce pont bascule, en fait, on va identifier la provenance des déchets et on va peser le camion qui arrive pour savoir la quantité de déchets qu'on nous apporte. Sur ce pont bascule, on a un détecteur de radioactivité aussi, puisque ce sont des déchets qui ne sont pas autorisés sur notre site. Donc le camion sorti du pont bascule va décharger les ordures ménagères dans un quai de déchargement. Les ordures ménagères vont être chargées dans une trémie d'alimentation. Cette trémie d'alimentation alimente un tube de préfermentation qui fait 37 mètres de long. Ce tube tourne 24 heures sur 24. Du coup, à l'intérieur, les déchets, les sacs poubelles sont ballottés. Et par ce ballottement, les sacs sont ouverts et la matière organique commence à se dégrader. La poubelle que l'on va charger aujourd'hui va mettre 4 jours pour transiter à l'intérieur du tube. En sortie du tube, on a la phase de tri mécanique. C'est ce qu'on appelle plus communément le tri primaire. Les déchets passent donc à travers un trommel, c'est comme une grande passoire avec des trous de 5 cm. La matière organique plus petite passe au travers. Et notre refus, tout ce qui est gros plastique, sera extrait donc de la matière qui nous intéresse. La matière organique est récupérée dans des box et va être chargée dans des tunnels de fermentation pour y rester pendant 6 semaines. Dans les tunnels de fermentation, donc, on aère ces andins et on les arrose pour accélérer le processus de fermentation. Une fois passées ces 6 semaines dans les tunnels de fermentation, nous avons la deuxième étape de tri mécanique. C'est une phase d'affinage puisque la matière va passer dans un trommel avec des trous de 6 mm cette fois-ci. La matière récupérée en sortie de ce trommel 6 va être chargée dans des tunnels de maturation. Et tout ce qui était plus gros que 6 mm, ce sont nos refus d'affinage. Ces refus-là n'ont pas de filière de valorisation comme les refus du premier trommel. Donc ces refus-là vont aller au centre d'enfouissement. La matière fermentée qui a été chargée dans des tunnels de maturation va y séjourner pendant un mois. Et au bout de ces un mois, nous avons le produit final, le compost, qui va être stocké à l'extérieur. Je laisse la parole à Daniela Ribert pour la suite de la présentation du compost. Alors pourquoi les agriculteurs s'intéressent à ce compost? Il faut savoir que nous sommes obligés pour pouvoir valoriser le compost, de faire des analyses. Ces analyses doivent répondre à des normes, la norme NFU 44051, et si le lot répond à toutes les normes, à tous les seuils de cette norme, on a le droit de le vendre. Eh bien, le compost de Mandishka est un produit extrêmement équilibré. Je suis sûr que si on le comparait aux 10 premiers centimètres de terre qu'il y a dans un sous-bois, dans une forêt, qui ne reçoit jamais d'engrais, je suis sûr qu'on a à peu près le même équilibre entre tous les éléments. Ça veut dire que ce produit qui est amené dans les sols ne va créer aucun déséquilibre puisqu'il est déjà équilibré en lui-même. Et il va permettre au maïs d'assurer pratiquement tous ses besoins, sauf en azote, avec 6 tonnes de compost apportées par hectare. Donc cet apport d'humus, c'est primordial pour assurer le bon fonctionnement du sol. Parce que tout simplement,
La principale raison, c'est que dans une poignée de compost, on a plusieurs milliards de bactéries, de champignons et d'algues microscopiques qui permettent de donner de la vie microbienne au sol et de stimuler le fonctionnement du sol. Moi, j'ai l'habitude de dire que 10 ans de compost utilisé sur une parcelle de maïs, ça permet de remettre dans le sol suffisamment d'humus qui correspond en gros à deux orages de 35 mm en plein été. Si on a de l'humus supplémentaire, on a un stockage de l'eau dans le sol qui va le restituer aux cultures au moment où elles en auront besoin, au mois de juillet, au mois d'août. Voilà, résumé, l'intérêt pour les agriculteurs d'utiliser le compost, mais aussi l'intérêt pour le particulier qui produit ces déchets et qui se rend compte que finalement, aujourd'hui, on n'enfouit plus ces ordures ménagères qui contiennent de la matière organique. On ne les brûle pas, on les valorise ici à Mendishka dans une unité de valorisation organique qui permet à l'agriculteur de s'y retrouver, mais aussi c'est l'ensemble du territoire qui s'y retrouve par un apport de fertilisants beaucoup plus écologiques. L'installation de stockage de déchets non dangereux occupe une superficie de 3,5 hectares. Elle peut réceptionner jusqu'à 16 000 tonnes par an de déchets de déchetterie et entreprises locales. Le centre d'enfouissement de Mendishka accepte des déchets non valorisables, non recyclables. Le camion déverse dans un casier en exploitation. C'est l'agent au compacteur qui va étaler les déchets sur une couche et passer plusieurs fois par-dessus. En fond de casier, nous avons une double membrane d'étanchéité. Au-dessus de cette membrane, nous avons des drains qui vont récupérer l'eau de pluie qui a percolé à travers les déchets. Cette eau, elle est souillée, c'est ce qu'on appelle des lixiviats. Il va falloir traiter cette eau via un traitement spécifique qui se fait en trois étapes. Un traitement biologique pour tout ce qui est pollution organique et azotée. Une deuxième étape d'ultrafiltration pour tout ce qui est matière en suspension. Et une troisième étape, l'eau en fait passe via des cuves de charbon actif pour finir le traitement des dernières impuretés. À l'intérieur du casier, nous avons également des drains et des canalisations pour récupérer le biogaz produit par les déchets. Ce biogaz est valorisé puisque la chaleur récupéré en brûlant ce biogaz nous permet d'assécher les lixiviats. Bon, mais Gunhun, ni miltagarvinta, comme je suis tard, le kila ya nosse. Et Gunhun, c'est nélada, chibéun, ni gaita nosse, j'enten y kushteko, et ta y kushteko, nous la halugun, et chen, aija, ondarkinak behesten. Il a la gueule sentie ta gentille, qu'elle trouve bâtielai, qu'est-ce que là? Bah, une chouette, tu m'as dit sur le conteneur et dans sa cuillère, c'est à hors tambarne, n'a pas dit sur les sartens. Plastique à co boutiac basique, est plastique à peste plastique à cojo, boutiac béa, cartouac, briques alimentaires de la couac, et à papéac. Hoi cojo qui au bayonnat je n'en touche, bilta garbi canopia l'antegilat, et à han behéchion don gaisaberik ginen titzug. Bah disug beste ondarkin bat aija behéchten bitria dosu. Mais na bitria on cha behéchte behardug, behardis yaman conteneur handi etat heri erdietan. Tis behine behar es saku beltan et es saku hoyen esai beste un beti galug du kesse. Voilà, ordinaire là, n'a douce, j'entends la gunsia et gunos, qu'al trouvat balimbadi à l'es. Et ta bigren parte, bat escolet en jouitanus, et ta chipier, chipitik, y a couchteniet, nous la haltugun ondarkinak behechten, y cigar y a jadela, et ta juste au costume madela, hartzea, hacharetik, et ta gua, y cigar y a jagitentela. Gaisa bat ahalizu egiten etxena aizaska ahalizu komposta gailu bat hartzen. Komposta gailin barne zarten titzuk organiko ondarkinakoko. Eta dibidez kozinan balin badugu, zakit, suiku edo hola, aipadetik landa, urtuko itzen titzuk komposta gailin, eta urte baten buian,
etxen atzaman ditzu gue komposta. Hola, aldik ezu, adibidez, bat zian baliatzen edo lantai laguntzeko pusatzen baliatzen. Hoie izigarria izaduz egitia eta izaska komunitate agropei basak proposatzen dizu komposta gailu hoik. Beste gesto aizabat duzu, ebe ez hurrai hostie butien barnen, bena jabineteko hurrai datez, Sibeuan izigarri honduz eta eskual herrian. Hoi gesto txipini hoi egitez, ikusten dizu gondarkinak salha paltzen diela eta ez behitugu pastik hanitz behitugu guano guesik nuntzietan, aiza hoi apaltzen dugula. Beste gesto txipi bat duzu, stopu baten ezartia pegatinan gainen, hola, ez dizuk hainbeste paper urtukitzen, jakurri gabe. Beste gesto heli bat, hola egunoz, eskola adjuiteko edo lanila adjuiteko, halizio pentsatzen edo baso berri baten hartzia baliatzeko, egunoz ara baliatzeko, edo gurda bat, hola, beti egunoz ara baliatzez, sahatzez, ahaltitzuk luzaz ara, ez duzu jabo ondarkinak eta ahaltitzuk ara baliatzen. Geo, zakit, baduzu ahalizug josten aurrak adibidez, ikusi izuguk ondarkin hanitzak ziela surambalazuko huik, puban beha gainen duzu gainen, eta josten duen, etxe helton duen, ahont urtukitzen tizug eta tizuguk deus egiten. Brak ez jostez ahaltitzug hola apurtzen hanitz ondarkin hoikoro. Eta, voilà, hola egunoz, aizaska haltitzugu gesto txipini heli bat egiten, emeki emeki hastez, geho hurrena gona hebakia juna haldizugu adibidez gue produit entretienak egiten, bena hoi hurrentxago juiteko eta hoikor bat haltitzugu errezetaketor haltzamaiten biltagarbi web gunean. Voilà, be guk ondarkinak etxen egiten titzugu, badizugu guk gue sakubeltzabea ikusten dizugu, eta hunat mendiskat ikusten dizugu kamio, zikinuntzi kamioak ikarten dela ondarkin hanitz. Eta mendiska bizitatzez nahi baduzi ezi hauek inskritzez grupoetan edo nik eskoleki bizita egin azten dit. Hor ahalko duzi ikusi sumait ondarkin barden eta salhe behar dela zerbait egin ondarkin hoien apurtzeko.